Et salut à tous, c'est 3, j'espère que vous allez bien, ça va super, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc ce matin je suis allé sur Clash Royale, je ne sais pas pourquoi, ça fait très très longtemps que je n'y ai pas joué. Et j'ai vu que je pouvais avoir un coffre légendaire. Du coup on va se prendre le coffre légendaire. Mais avant ça du coup je dois dire, ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas été sur Clash Royale. Du coup je suis un peu paumé quoi, j'ai vu qu'il y avait le cavabélier, j'ai vu quelques vidéos. Mais je peux pas, malheureusement pas l'avoir. Voilà, bref, donc je vais vous montrer toutes les légendaires que je peux avoir, mais que je n'ai pas. J'ai que la princesse et le sorcier de Blast, pour l'instant. Du coup, il y a pas mal de possibilités. J'aimerais bien avoir la bûche, ou la sorcière de la nuit, mais sinon, par le molos, le mineur, le cimetière qui est pas mal, mais un peu démodé, je pense. Le dragon de l'enfer, le fantôme, là, le fantôme royal, voilà. Le bûcheron, qui est pas mal aussi. Et la voleuse. Donc on va voir, donc on va ouvrir le coffre et voir du coup ce qu'on a dedans. Donc on prend la récompense. Des gargouilles, ouais. Bon, les gants lourds. Allez, putain. Faut peut-être pour avoir... J'espère juste que je vais pas avoir une que j'ai déjà. Allez, c'est parti. Attention, attention, suspense. La bûche ou pas? Ouh. Le dragon de l'enfer, ouais. J'aime pas trop cette carte, mais c'est pas grave, les gars, c'est une légendaire, je vais pas me plaindre. Donc on va de suite faire une game avec. J'ai mis à la place du mousquetaire. Bon, je l'ai introduit dans mon deck comme ça, quoi. Donc si on perd, c'est pas grave. On aura quand même eu le dragon de l'enfer, ce qui est pas mal. Ok, donc je suis à cette arène-là, la 8 ou 9, je sais pas, la 9, je crois. Avec le golem, c'est quoi ça? Ouais, le mec fait un gros push d'un coup, quoi. Ah, ouais, putain, j'étais pas prêt. Bon, du coup, déjà qu'avant, j'étais pas très fort avec le Clash Royale, maintenant, on va se faire sécher direct. Non, on va pas se faire sécher direct. Ok, on a le dragon de l'enfer. Pour le tester. Ok, on aura fait une tour. Et encore, même la tour, je suis pas sûr qu'on se la fasse. Ouais, là, il va m'achever, là, avec son truc. Oh non, on a perdu, je crois. Non! Ok, puis si on gagne ce match, les gars... C'est un truc de fou. En fait, je vois pas comment on peut ne pas perdre en fait là. Franchement, je ne vois pas comment ne pas perdre. En plus, le golem, je peux pas le poser. Si du moment que je pose un golem, lui va faire un push. À moins que je le pose là, si je le pose de ce côté. À moins qu'il fasse un push sur l'autre tour. Mais... Bon, il joue pas. Ok, double prince, il joue. Dragon d'enfer, je pense que c'est pas une mauvaise solution. Là, il va m'achever. Non. Non, c'est dégueulasse, il m'achève avec les flèches. Oh non. Bon, mais c'est pas grave les gars. Donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez Clash Royale, je vous dis pas que je vais faire beaucoup de vidéos sur Clash Royale, mais je peux en faire quelques-unes si vous aimez. Donc n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.